Ça demande psychologie, doigté, souplesse. Tiens, un exemple. Malade. Oui. Je suis Madame Pipi. Oui. Tu entres. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour, madame. Beau temps, hein? Et voilà, la Bérésina. Parler de soleil à une malheureuse qui passe ses journées dans la faïence et le déodorant. Recommence! Oui, bah oui. Bonjour, madame. Comment ça va? Mais non, imbécile! Elle a 60 ans passés. Elle est couverte de douleurs et elle passe ses journées à récurer de cuvettes. Tu viens lui demander comment ça va? Ben alors, qu'est-ce que je dois lui dire? Tiens, mets-toi à ma place. D'accord. Soucoupe. Quoi? Soucoupe. Ben, pour la dame pipi, il faut une soucoupe, il n'y a pas de... Oh, c'est pas vrai. Quelle engeance! Faut être un saint pour travailler avec des gens comme vous. Et toi, Andouille, qu'est-ce que t'attends pour donner une soucoupe à madame? Oh. Ça y est, oui. Ben oui, ça y est, oui. Bonjour, madame. Et voilà. Ben voilà. C'est tout? Eh oui, on te demande pas de forcer son intimité, juste un doigt de chaleur humaine, un rien de respect pour sa féminité. Ah ben merde. Et toi, qu'est-ce que tu donnes en sortant comme pourboire? De 3 francs. Mais c'est pas possible! 1 franc maximum! Il faut que ça ait l'air vrai! Ni Crésus, ni peine-cul! 1 franc. Fano, tu veux que je te dise? Ben toi, t'es un chef. Chaque époque a son épée.